le secret. Des alentours comme ta poche, c'est incroyable. Oui, je connais un tas d'astuces. J'ai réussi à abattre un carnivore et même à assommer Tyranno. C'est moi qui entraîne mes amis dans toutes sortes d'aventures. Comme ça doit être palpitant d'être chef de bande. Oui, assez. Et demain, je les conduis au grand carrefour. Hein? Et qu'est-ce qu'on y voit de passionnant? C'est très beau parce qu'à cette période, les coups de cygne migrent vers le nord pour faire leur nid et passent à cet endroit. Mais attention, ce voyage est très dangereux. Prime ? Bonjour maman, bonjour papa. Regardez, c'est Shyler. Frill nous a beaucoup parlé de toi. Elle m'a dit que tu étais son meilleur ami. En plus, c'est lui le chef de la bande de la Vallée Verte et tout le monde le prend en exemple. D'ailleurs, dès demain, il conduira tous ses amis au grand carrefour, malgré les dangers à affronter. Oh, est-ce que je peux l'accompagner, s'il te plaît? Mais voyons, pourquoi tu voudrais prendre un risque pareil? Qu'en penses-tu, Shyler? Tu crois qu'elle peut? C'est que... j'en sais rien. Je ne voudrais pas qu'il arrive malheur à notre fille. Shyler veillera tout le temps sur moi. Il a l'habitude de ce genre d'aventure, tu sais. Oh, s'il te plaît, j'ai tellement envie de t'accompagner. Ben, je suis d'accord, si tes parents le sont aussi. D'accord, puisque tu veilleras sur elle. On te fait confiance, occupe-toi bien d'elle. Où est Shyler? Pourquoi il ne joue pas avec nous? Laisse tomber, Link. À ce jeu-là, je suis sûr de gagner. Normal, tu triches tout le temps. Comment ce moment? Je triche un petit peu, ça je le reconnais. J'ai hâte d'aller au grand carrefour. Je n'ai encore jamais vu des coups de cygne si majestueux. Ces oiseaux sont très grands, scatateurs. J'espère que pas méchants. Encore faut-il qu'on arrive à y aller. J'ai repéré le chemin, je vous y emmènerai. Qu'est-ce que tu as dit l'an dernier et on s'est perdu en beauté? Je te promets que cette année on se perdra pas, compte sur moi. Hé, hey, j'aperçois notre Shyler. Hé, hey, oh Shyler. Je sais plus quoi faire. Oh, c'est horrible. Je vais le chercher. Qu'est-ce que t'as? C'est pas facile, mais... est-ce que vous pourriez garder un secret? Comment dire? Frill a raconté à ses parents que c'était moi le chef de notre groupe. Qui lui a donné cette drôle d'idée? Je crois que c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourtant, tu sais bien que généralement, ça ne sert à rien de mentir, ça ne rapporte que des ennuis. Je croyais qu'en me faisant passer pour quelqu'un de fort, elle m'aimerait davantage. Tous les gens t'admirent. Oh, elle te fiche que tu sois un héros. Elle t'aime comme tu es. Dis-lui la vérité. C'est un bon conseil. Non, c'est trop tard. Je lui ai déjà dit que demain, je la conduirai au grand carrefour avec nous. C'est une catastrophe. En plus, ses parents comptent sur moi pour la protéger du danger. Mais t'es dingue, le circuit est risqué. On n'a même pas réussi à y aller en dernier. Tellement c'était compliqué. Je t'en prie, Ding, aide-moi. Bon, d'accord, tout le monde fera comme si tu étais le chef, mais ne t'éloigne surtout pas de moi demain, que je puisse t'aider. Oh là là, merci, Dink. On pourrait peut-être y aller, Dink, non? Oui, c'est une excellente idée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Shyler? Oui. Allons-y. Je croyais que Dink nous guiderait pour y aller. Pourquoi est-ce que c'est Shyler qui nous conduit? Oh.
faut regarder où tu marches, Dink. Un Shyler m'a fait une grosse blague, mais il connaît un raccourci secret pour y aller. Oh, comme tu es courageux de prendre un raccourci secret. Ah, et Scat qui croyait que Shyler peureux comme Scat. Bon, si on se remettait en chemin. Oui, excellente idée. Oui, j'en suis certaine. Tente pas dans le cratère qui est devant toi, ça brûle. Il y en a un autre pour ta droite. Parfait. Et maintenant, prends à gauche. T'allais à gauche? Et sois à droit. Non, j'ai dit à gauche. Moins doué que l'année dernière. Peut-être, mais Shyler ne nous a pas égarés, lui. Ne te fais pas de soucis. Continue à marcher tout droit. L'an dernier, on n'y est pas arrivé. Tiens, Shyler, tu as porté les meilleures feuilles du coin. Oh là là, c'est gentil, tu sais. On n'en fait plus des amis comme toi. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que depuis le début, on te mène par le bout du nez. Ah oui, et pour quelle raison? Tu ne diriges plus. Mais nous sommes presque arrivés au grand carrefour des coups de cygne. C'est vrai, mais c'est tout ce qui est important, non? On a réussi! J'étais sûre que tu saurais nous y conduire. C'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de dinosaures qui ont la chance de voir ça. Comme ils sont gracieux, c'est la première fois que je vois des longs coups de cygne. Ils s'en vont déjà. Tout le monde se demande où ils bâtissent leur nid. Il y a peut-être plein d'amiams roses dans leur cachette et peut-être aussi des melons. C'est bon. Oh, oh, les capes volants. Shyler, souris, il t'a subi. Je suis désolée, mais je peux pas voler à ton secours. Je suis pas le héros que tu croyais. C'est Dink, le chef. Je voulais t'impressionner, mais j'ai eu tort. Pris, cours dans la grotte avec Shyler. Suivez-moi. Flapper, veille à ce que les capes volantes suivent la même route que la nôtre. T'es sûr que c'est la meilleure solution? T'inquiète pas. C'est aussi ce que t'avais dit l'an dernier. Salut les gars, vous venez voir la traversée des coups de cygne? Oh, regardez trois fuyards qui dévalent la pente en courant. Appétissant, non? C'est de la bonne viande bien fraîche, faites-moi confiance. Personne n'a aussi bon goût. Suivez-moi. Waouh, je suis plus doué que je ne pensais. Ça marche. Flapper t'a obéi, alors j'espère que t'as une idée pour nous abriter. Fais-moi confiance. C'est très dangereux de venir courir à cet endroit. Il y a des sables mouvants sous ses pieds. Ah ah! Dink, jeune noir, au secours, Dink, sauve Scat! J'ai compris ton idée, Dink. J'espère que votre plan d'action est au point, parce qu'on arrive! Je te reconnais enfin. Dépêchons-nous, les capes volantes ne resteront sans doute pas coincées longtemps. Venez vite, on n'aura plus rien à craindre dans la grotte. Dink, c'est semblant de suivre mes...
j'ai l'air très courageux. Mais je n'ai jamais été courageux. Moi, je trouve que t'es fort et courageux quand même, Shyler. C'est vraiment ce que tu crois? Pourtant, c'est pas moi le chef. Ça ne veut rien dire. Tu es courageux parce que tu lui as avoué la vérité. Grâce à toi, on a échappé au pire. Tu vois, tu es un vrai héros.